Ce programme vous est présenté par Espace FM. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour votre émission Zik News, tout savoir, tout entendre sur l'actualité musicale et artistique et qui nous entoure, ici même à Paris. Zik News, attention, Paris-Bercy, la nuit d'outre-mer, ici même à Bercy, nous y étions, reportage et on se retrouve juste après pour boucler. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé plus haut que moi. Teddy Riner, c'est extraordinaire que tu sois là, j'aime bien mettre te tutoyer. Bien sûr, tutoyez-moi, ça fait plaisir déjà de voir des artistes, parce que moi quand je vois Francky Vincent par-ci... Plein de chanteurs que moi-même j'écoute dans mon iPod, et ça fait plaisir de les voir. Jean-François, ça va en forme, tout bagarre en forme, nous là, cœur content, excité, on est prêt pour le show ce soir. Et Bercy, c'est grand, hein. C'est grand. Et, oui, c'est très grand. Et là, on a préparé, nous, on a répété pour ça et on est prêt. Je pense que ce soir, on va essayer de donner du mieux de nous-mêmes, n'est-ce pas? Essayer de voir comment on peut faire donner du bonheur aux gens et faire. Sauter, crier, danser, chanter. Suzy, est-ce qu'on a peur? Non, c'est-à-dire que là, un public reste un public. Ouais. Mais non, on est là pour donner du bonheur aux gens. Je viens d'avoir les comptes, il y a quand même 16 000 personnes là ce soir. C'est très bien. C'est l'air, ça n'est pas le bout. Mais tu sais qu'au pays, on a des endroits qui prennent 20 000, 30 000 personnes. D'accord, ok, donc c'est bon. Vous en avez l'habitude. C'est le public et l'important, c'est de faire plaisir au public. C'est énorme, mais je pense qu'on a préparé un truc de bien pour le public de Bercy et ça va être bien je pense. Oui, je suis content d'être Est-ce qu'en toute honnêteté, lorsque notre ami Gaël t'a appelé Colo, tu t'es dit comment monsieur, tu t'es étonné à vous? Non mais il m'a bien, ça a été plus fort que ça parce qu'il m'a dit Gaël, Colo je te demande même pas si tu veux venir. Tu dois venir. Tu seras là, ouais voilà. Tu sais que on a une recette. La recette c'est de toujours rester avec le mouvement. Et ce soir, je suis prêt vraiment pour le bain aussi parce que c'est un bon rassemblement des Caribéens, bon rassemblement de la musique caribéenne. Et la musique lui-même, pas ni l'âge. La musique, pas qu'à vieillir. Musique là, ni force, musique là, qu'elle est en avance. Je pense que je fais partie des artistes qu'on a pensé à inviter, quoi. Parce que il y a un lot d'artistes aux Antilles et bon, c'est un plaisir pour moi que d'y faire partie de l'État et que je choisis pour participer à un show. Quoi. Avant de monter sur scène, j'ai jamais le track. C'est pas parce que j'ai trop confiance en moi, c'est que c'est du plaisir. Je pense qu'on a le track avant d'aborder des moments plus délicats, ouais. Des moments de stress. Mais là, vu que c'est que du bonheur, c'est de l'impatience. Je suis vraiment impatient de monter sur scène, de voir mon peuple, de voir les gens de Guada, Madinina, Guyane pour faire la fête. Bah écoute, ça fait plaisir déjà d'être là, de participer à un événement d'aussi grande envergure. Je crois que c'est bien pour les Outre-mer d'avoir un événement comme ça à Bercy ce soir et je suis très heureux d'en faire partie. C'est ça notre carton pour nous fêter, pour nous exploser, pour enfin nous passer Bercy. Notre Dieu! Mais c'est vous qui commencez, il paraît. Mais oui, je ne sais pas pourquoi, mais puis bon, comme ça, depuis nous finir, regardez les autres. Ouais. Caf Malbar, on te connaît. Soldat réunionnais. Ouais. Représente l'océan Indien. Dom Tom. Caraïbes, tout. Oui, c'est libre parce que c'est comme on sait eux-mêmes. Voilà. Ça se vit, ça se raconte pas. Ceux qui ne sont pas venus, ça arrive. Viens, moi. Francky Vincent, pour le dire, Palais Omnisport Paris-Bercy, pour la nuit d'outre-mer, il est important que tu sois là aussi quelque part. Ben oui, mais chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je ne suis jamais invité. Alors pour une fois que je suis invité, je vais mordre cette invitation à pleines dents. C'est exceptionnel. On vit un moment, je pense que c'est l'un des plus beaux moments musical des Antilles, du département d'Outre-mer. C'est vraiment l'un des plus grands moments à mettre dans l'histoire. Et
Il y a beaucoup de monde. C'est une grosse organisation. La salle est immense. Et là, on commence un peu à flipper. Mais pas pour la musique, hein, mais c'est juste parce qu'on attend l'heure et puis la pression, tout ça. Voilà, c'est ça. À ce spectacle-là, habitat belle, mon gars. Habitat belle. C'est bien, c'est que panier qui joue. C'est une musique qu'on compare par exemple Colo Bart. Mais c'est déchiré, c'est très belle musique comme ça. Elle s'appelle Armandine Bioman. Merci, je suis la mère de Richard. Et je vous présente mon mari. C'est-à-dire, moi je m'appelle Richard Bioman, premier du nom. Je suis le père de l'autre. Oh. Super content, franchement j'étais pas spécialement préparé à ça parce que j'ai pas eu le temps de répéter correctement comme d'habitude, préoccupation à côté, mais en tout cas à partir du moment où ils ont annoncé, où tu as annoncé mon nom et que le public m'a aussi bien chaleureusement accueilli, voilà, c'était parti, show must go on, comme on dit. Réel. Le plan a répondu à l'appel. C'est ça qui est important. Gaël nous a épaté. Enfin, ouais. M'a épaté personnellement. Sérieux ? Et en tant que confrère, j'ai un grand respect pour lui parce que c'était un challenge qu'il fallait remonter. Et il a réussi brillamment. Quoi. Ouais. Franchement, chapeau. Chapeau. Chapeau, ouais. Chapeau bas. Extraordinaire, c'est génial, c'est fou, c'est rempli. Et les fans sont franchement, ils nous attendent et on est super excités et motivés pour cette soirée-là. Nuit d'outre-mer, il est important quand même que tu sois là. C'est flatteur ou pas, Kalash? C'est flatteur d'être là parmi tous ces artistes de renom, que ce soit Perfecta ou Quack ou Admiralty, Chris Colonel. Ça fait super plaisir d'être là. Yeah.
17 000 personnes, quoi, c'est toujours quelque chose. Quoi. Donc, Ouais. Oui, non, je regarde avec beaucoup d'attention. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer musicalement parlant après pour, on peut le dire, Admiralty, donc il y a des choses qui se préparent. Oui, musicalement, il y a des choses qui se préparent, qui vont être annoncées très bientôt. Entre autres, si on peut appeler ça comme ça, un street album avant l'arrivée de l'album, de l'album même. Quoi. C'était bien aussi, Nuit d'Outre-mer, genre on était habitants, moi, amis, voyez, peuple là, l'assemblée comme ça, qui c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Latine, tout le monde. Et donc, et même les mounes qui pas du tout de créole qui étaient là. Donc, pour moi, c'est l'air qui a passé des moments comme ça. À pas gagner, mais qui est fini. Donc, c'est vrai que sur scène, bon, il y a des choses qui sont prévues sur le show, on fait un show. Mais après, c'est vrai que, bon, des ayants publics là, tout ça, bon, c'est vrai que c'est plus la sécurité qui a fait un peu la gueule, mais bon. Franchement, c'était vraiment une très très belle fête. Ce qui est à souligner, c'est que vraiment la communauté s'est impliquée. Et c'était vraiment le rendez-vous de tous ceux qui aiment la musique ici de l'Outre-mer ou la musique black tout simplement. Et on l'a fait, 17 000 personnes. Là, je pense qu'on va nous prendre maintenant plus au sérieux. Et chapeau aux organisateurs, chapeau à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Est-ce que, en toute honnêteté, tu t'attendais à remplir? Parce que nous fait quand même 17 000 moons. Donc, oui, parce que c'est vrai, au début, pour être franc avec lui, je lui dis, mais Gaël, tu es fou, tu es dingue. 17 000 moons, ça y est, Paris pris, Paris tenu, ouf, demain tu viens nous voir à la radio. Non, effectivement, non. Non, par contre, c'est vrai que c'est un gros challenge. Mais ouais. si je l'ai fait, c'est parce que je savais que c'était réalisable et ça a été difficile, je ne vais pas te mentir, j'ai eu peur. Pendant des mois et des mois, j'ai eu des chocottes, tu vois, parce que le comportement d'achat de la communauté, bon, malheureusement, elle s'y prend vraiment en dernière minute. Sérieux? Voilà, jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Donc, tu confirmes que tu as rempli? Je confirme, j'ai rempli 17 000 personnes, voilà, guichet fermé. Waouh. Ouais, Bercy. Donc maintenant, on verra si on ira au Stade de France ou pas. J'ai l'impression qu'on ne te verra plus en gros, Gaël. Parce que non, je vous explique, il était tout le temps avec nous, à la radio, en télé. Là, on ne te verra plus, là. Si c'est déjà ton équipe de sécurité, là, on ne te verra plus. Hein. On ne te verra plus. Hein. C'est-à-dire, tu es avec JP, là, on ne te verra plus. Je suis avec JP. Non, non, on me reverra parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a Parole pourrie, d'ailleurs, le 19 novembre. Ah bon, d'accord. J'invite tout le monde à reprendre des billets, à prendre bien les tickets à l'avance parce que ça va être complet encore une fois de plus. Tu fais ça où? Le 19 novembre, ça se déroule au Casino de Paris. D'accord. Voilà, et le 28 avril, nous avons la nuit d'outre-mer en Guadeloupe. Ah. Dans une grande salle du Gosier qui prend 6000 personnes. Donc voilà, les billets seront bientôt disponibles aussi. Toute initiative qui permet à la diaspora de se rassembler et de faire connaître ce qu'on fait de mieux est toujours bonne à prendre. Un bilan en général, les artistes ont été excellents. Ouais. Le public a été réceptif par rapport à cet événement. Comme dit Admiralty, le prochain, j'espère que ce sera au Stade de France. Déjà, faudrait dire beaucoup de respect pour l'organisation. Parce que ça, c'est vraiment avoir réuni autant d'artistes sur un Bercy. C'était propre. Ça, c'est fort, fort, fort. Après, les artistes, c'était homogène. Hein. Il y avait la crème de la crème. Donc, moi, je suis fan la Perfecta, quoi. Enfin, il y a vraiment les groupes qui ont mis la pression. Il y a T-Vice. Non, en fait, je dirais pas que quelqu'un s'est démarqué, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est Sahel qui a rendu un hommage à Patrick Saint-Éloi. Et puis bon, Admiralty qui a fait un show, mais voilà quoi. Et moi personnellement, j'ai jamais vu autant d'artistes, autant de pression sur scène quoi. Et pourtant j'en ai vu des Jamaïcains, mais Admiralty c'est phénoménal quoi.
parle à ton le site internet, là le site internet. Voyons pas en France, pas site internet. Là, je ne pense pas. Je ne pas. En Guyane, pas tout le côté Martinique, pas côté Martinique, pas côté Calage. Je ne pas. Ça m'émeut, Calage. Dis-leur combien de temps ton compte en banque. Ça va, Jean-François. Ça va, Jean-François. Moi aussi, j'ai des femmes. Et les femmes, alors, Calage. Dis-moi, on est en l'eau femme. On est en l'eau femme. On a changé de femme. Avec combien de femmes on vit nos soins, Calage? Dis-nous, dis-nous. Je t'avoue que ça m'émeut. Ce programme vous a été présenté par Espace FM.